Für die Christmetten an der Helger Nuicht begrüßen Sie sich aus der Kathedrale von Lützeburg. Es singt Maitrise Saint-Cécile von der Kathedrale unter der Direktion von Marc Tostad. Organist aus der Paul Breisch, Flütistin Ilenia Zuccoli und der Solist Paul Serra. Die Vigil fängt an mit Kommet ihr Hirten von Patterson, Hark the Herald Angels Sing von Wilcox, Christlied von Joss Kinsey. An der Mass selber sangen wir Adeste Fideles, arrangiert von Carlo Hommel, die Stille Nachtmesse von Michel, Christmas Lullaby von Ratter, Il est né le divin enfant an Stille Nacht. Den Domorganist spielt als Sortie Noël Basque vom Dom Paul Benoit. Masket präsidiert vom Kardinal Jean-Claude Hollerich, Erzbischof von Lützeburg.
Heute ist uns der Heiland geboren, Christus der Herr. Heute ist uns der Heiland geboren, Christus der Herr. Heute frohlocken die Engel, heute jauchzen die Erzengel, und alle Gerechten sind voll geistlicher Freude. Gekommen ist nämlich die hohe heilige Nacht, in welcher der Erlöser der Welt, Jesus Christus, aus der Jungfrau Maria geboren werden wollte. Suchet den Herrn und ihr werdet ihn finden. Klopfet an die Tür und euch wird aufgetan. Tretet ein in das Haus und ihr werdet schauen. Unser König ist geboren, kommt und lasset uns anbeten. Und Hände zum Himmel, verherrlicht sein Lob, verkündet sein Heil. Der Herr ist mit uns, fürchtet euch nicht. Mit uns ist Gott Mensch, ein Mensch, der doch bleibt Gott für uns. Gepriesen sei die freudenreiche Geburt, die den Fluch unserer Stammeltern in himmlischem Segen verwandelt und ihre Trauer in ewige Freude. Von der Geburt des wahren Lichtes erleuchtet, geschmückt durch den Glanz der Engel, verherrlicht durch ihren Lobgesang. O wahrhaft selige Nacht, dir allein war vergönnt, Zeit und Stunde zu wissen, in der Gottes Sohn aus dem Schoß der Jungfrau hervortrat. Lichter ohne Zahl werden entzündet in der ganzen Christenheit, und bis zum Anbruch des Morgenrots soll ohne Unterlass das Lob der Nacht erschallen. Heute ist uns der Heiland geboren, Christus der Herr. Gepriesen sei der dreieine Gott, durch dessen Ratschluss und Güte die menschliche Würde ist wiederhergestellt. Gepriesen seist du, himmlischer Vater, gepriesen seist du, einzig geborener Sohn, Jesus Christus. Gepriesen seist du, heiliger Tröster Geist, dir der höchsten ewigen Dreieinheit, die uns eine solch liebenswerte und festliche Feier schenkt,
sei Lob und Dank, Ehre und Herrlichkeit an diesem Tag in alle Ewigkeit. Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd'hui. Réjouissons-nous. Il n'est pas permis d'être triste lorsqu'on célèbre l'anniversaire de la vie. Celui-ci détruit la crainte d'avoir à mourir. Il nous donne la joie de l'éternité promise. Personne n'est tenu à l'écart de cette allégresse, car le même motif de joie est commun à tous. Notre Seigneur, chargé de détruire le péché et la mort, n'ayant trouvé personne qui en fût affranchi, est venu en affranchir tous les hommes. Que le Saint exulte, car il approche du triomphe. Que le pécheur se réjouisse, car il est invité au pardon. Que le païen prenne courage,
car il est appelé à la vie. En effet, le Fils de Dieu à la plénitude des temps, fixé dans la profondeur impénétrable du plan divin, a épousé la nature humaine pour la réconcilier avec son Créateur. C'est ainsi que le démon, inventeur de la mort, allait être vaincu par cette nature même qu'il avait vaincue. À la naissance du Seigneur, les anges bondissent de joie et chantent « Gloire à Dieu dans les hauteurs !» Ils annoncent paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Ils voient en effet la Jérusalem céleste qui se construit avec toutes les nations du monde. Combien la pauvre humanité doit-elle se réjouir devant cette œuvre inouïe de la bonté divine, puisque celle-ci inspire une telle joie à la nature sublime des anges eux-mêmes. Mes bien-aimés, il nous faut donc rendre grâce à Dieu le Père par son Fils dans l'Esprit Saint. Avec la grande miséricorde dont il nous a aimés, il nous a pris en pitié. Et alors que nous étions morts par la suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ pour que nous soyons en lui une nouvelle création, une nouvelle œuvre de ses mains. Rejetons donc l'homme ancien avec ses agissements, et puisque nous sommes admis à participer à la naissance du Christ, renonçons à notre conduite charnelle. Chrétien, prends conscience de ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens et de quel corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être transféré dans la lumière et le royaume de Dieu. Par le sacrement de baptême, tu es devenu temple du Saint-Esprit. Garde-toi de mettre en fuite un hôte si noble par tes actions mauvaises et de retomber ainsi dans l'esclavage du démon, car tu as été racheté par le sang du Christ.
Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Die Leiflight hier in der Kathedrale, an du Heim, die das Mass verfolgt, ganz, ganz herzlich willkommen an unser Christmetten. Besonders die Leiflight du Heim, die krank sind, die lang sind. Dass wir zusammen können, so über das Medien können Christen zusammen feiern. Nous nous réjouissons de pouvoir célébrer ensemble cette sainte nuit où un Sauveur nous est né. Let us rejoice together, celebrating this Mass, commemorating that our Redeemer has been born. Et demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Let us pray. God, who have made this most sacred night radiant with the splendor of the true light, grant, we pray, that we who have known the mysteries of his light on earth may also delight in his gladness in heaven, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation und schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du, wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel mit Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus. Wunderbarer Retter, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Friede sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das vollbringen. Wort des lebendigen Gottes. Seigneur, car il vient.
De la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable avec justice et piété. Attendons que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu
lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich kann mich an eine ganz schöne Szene an Japan erinnern, wie ich das geschafft habe. An unserem Jesuitenhaus hatten wir Besuch. Ein junger Koppel mit einem Puppelchen. Sie fährt diese kaum, an Döno nach Matt, an einen Aufenthaltsraum gegangen. An die Ehepatren, die da waren. Da waren drei ganz Paare, die immer alle geguckt haben. An nicht, weil es schlecht Leute waren, weil den einen hat den Rückweh, den anderen hat Knieweh, den anderen hat den Kopfweh. Wir wissen, wie das. An, weil die Patren die Puppelchen gesehen haben. Den hat bald gestrahlt, die Puppelchen. Den hat die Leute angezogen. An, sie sind da hingekommen, sie haben gelacht. Ihr Gesicht war beimal bald wie verklärt. Was ein Puppelchen eine Atmosphäre ändern kann. Weil ein Kind, was auf die Welt kommt, als ein Zeichen von Leben, das bald Wunder, dass du ein Bemol ein selbstständiges Wesen du hast, das lacht, das kreischt, was direkt
die Attention von der Leid aller Götten an Ausspruch hält. An viel Leid so ein ja, bei einem Puppelchen, da spüren wir irgendwie einen Ursprung vom Leben. Da spüren wir, dass das Leben mehr groß ist wie mir. Wir spüren irgendwie den Fanger vom Herrgott an dieser Welt. Weil das Welt die braucht. An der ersten Lesung haben wir hören, dass die Welt am Todesschatten ist. Am Schatten des Todes haben wir früher gesagt. Und wir wissen, was das den Todesschatten. Wir brauchen nicht mehr den Fernseher abzumachen, Nachrichten zu gucken. Dann haben wir Palästina, Israel, der Gazastreifen, und der Krieg an der Ukraine. Wir haben Krieg an so vielen Ländern, auf dem Kontinent, als der Krieg am Gang. Wir haben Hunger. Kinder, die nicht alle gehen, die sterben, weil sie nicht genug zu essen haben. Wir haben Seuchen, die nur dem Krieg kommen. Wir haben Leute, die mit Flüchtlingsboot am Mittelmeer hineingehen. Ganz viel von ihnen sind Kinder. Die Schatten des Todes, die Kind ebal deprimieren. Und weist eis, wie prekär das menschliche Leben ist. Aber wie dankbar wir können sein, dass wir in einem Teil von Europa Center 45 Frieden haben. Mir auch bei uns. Ja, Sachen gehen mit Eier, das Inflation. Kann ich nicht mehr alles leisten, was ich für drin hat. Und weil wir schon eine reiche Gesellschaft sind, können wir oder konnten wir durch Zuen die Schatten des Todes kompensieren. Wenn ich frei tut, weil ich sich viel schöne Sachen leisten kann, wenn nicht unbedingt etwas Schlechtes ist, ne? Dann kann ich ganz viel anstürchen und vergessen, was das Schlimme ist, was das Dächtnis geht. Wenn das Bemo nicht mehr funktioniert, das stimmt doch. Aber wir gehen auch an unsere eigene Prekarität erinnert, dass wir selber schon keine krank sind, dass auch den Tod als Liebste nicht verschont und noch ein Kehr bei uns selber aufklappen wird. Als ganz Leben als im Schatten des Todes. Et dans cette ombre de la mort, un sauveur nous est né. La scène que décrit Luc se situe pendant la nuit. Oui, l'obscurité, la peur, la dépression. Et là, un enfant est né. Et le message est adressé aux plus pauvres, aux bergers. Ils se mettent en route. Et par le fait de se mettre en route, leur vie change. Car ils voient le sourire du bébé. Et ils ne peuvent pas s'expliquer. Ils ne savent pas, connaissent pas la théologie catholique de nos jours. Mais ils sont stupéfaits, ils sont émerveillés, et dans l'ombre de la mort naît l'étincelle de l'espérance dans leur cœur. On dit que dans nos sociétés post-chrétiennes en Europe, il y a encore des restes de christianisme dans notre culture. Et je pense qu'un de ces restes qui existe encore en profondeur
dans notre civilisation, c'est ce désir profond de rédemption, ce désir profond de rencontrer un sauveur, ce désir profond d'être sauvé. Et je pense que c'est ce désir profond qui est à l'origine de la magie et de la mystique de Noël. Et si nous contemplons notre Sauveur, un bébé fraîchement né, il nous est peut-être difficile d'y reconnaître le Dieu éternel, parce que Dieu, qui par définition est tout-puissant, existe maintenant dans la fragilité d'un corps humain, d'un corps enfant, d'un corps bébé. Moi-même, si je prends un bébé dans mes bras, je suis émerveillé et j'ai un peu peur, comme je n'ai pas l'habitude. Alors j'ai un peu peur de lui faire mal, parce que un tel enfant est tellement fragile. Et Dieu a accepté cette fragilité. Dieu s'est fait homme. Dieu a accepté, Dieu a voulu la vulnérabilité, notre corps humain qui devient malade et qui meurt. Et à ce moment, à Bethléem, se dresse déjà l'ombre de la croix de Jérusalem. Mais la joie et l'espérance que nous éprouvons le jour de Noël est un guide pour comprendre les mystères de notre rédemption. Dieu s'est fait homme, pas comme dans les mythes païens, un Dieu homme qui résout tous les problèmes de la terre. Non, c'est un Dieu fait homme qui se fait petit, qui accepte la souffrance, qui accepte toute notre humanité avec toute sa fragilité jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Et ainsi, Dieu, par amour, fait notre expérience. Il nous aime tellement qu'il veut faire l'expérience de notre vie, du corps humain, de sa fragilité et de sa mortalité. Mais si Dieu fait ce parcours humain, tout change. Alors, la mort n'est plus la fin, mais la mort est un passage dans le ciel. Je ne sais pas si vous connaissez les dessins que Botticelli a fait pour illustrer la Divine Comédie de Dante. Et dans la Divine Comédie de Dante, le ciel, c'est la lumière. Et Botticelli a très bien su rendre cet aspect de lumière. Voilà, nous sortons des ténèbres de la mort. Nous sortons de l'ombre de la mort. Nous entrevoyons la lumière du ciel. La nuit de Bethléem, un sauveur nous est né, pas de manière absolue uniquement, mais personnellement, pour chacun de nous. Une offre est faite à notre liberté d'aller à la crèche
d'adorer Dieu et de suivre les préceptes de l'Évangile. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, en cette nuit sainte, nous voulons nous approcher de la crèche comme des mendiants de paix et de joie. Et nous prions. Nous te confions l'avenir de notre Église et nous prions pour le pape François, pour notre archevêque Jean-Claude, son auxiliaire Léon et tous ceux qui portent à travers le monde la lourde charge épiscopale. Que tu soutiennes les bergers de ton peuple par le message qui nous vient de la crèche, dans l'assurance que le Sauveur nous est né. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, sauve-nous. Wir bitten für Christen an unserer Erzdiözese Lützeburg, dass viele Frauen und Männer sich an der Deift von ihrem Herz vom Kampf von Bethlehem aussprechen lassen. Herr Gott, Herr Reis. Herr Gott, Herr Reis. Guter Vater, wir vertrauen dir alle Kinder und Jugendliche an. Lass sie in dieser Zeit Menschen und Orte der Geborgenheit finden, um innerlich zu wachsen und um Christus als Freund des Lebens zu entdecken. Herr, höre uns. Herr, erhöre uns. Wir bitten für alle Menschen, die ob das sich oder vorrecht sind, auch für all die, die besonders an diesem Jahr Kröschtag ganz allein feiern müssen. Das kann dann der Krepp als neu sensibel möcht für die Misere und Sorge von anderen. Herr Gott, Herr Reis. Herr Gott, Herr Reis. Prions pour tous nos défunts. Rassemble un jour dans ton royaume de gloire tous ceux et celles qui sont venus ici dans la foi et la ferveur. Et console avec bonté nos frères et sœurs qui sont dans la tristesse. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de paix et d'amour, nous te bénissons et nous te glorifions pour la vie du Christ qui nous rejoint à travers le mystère de Noël. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Que ce même Jésus accueille nos prières et nos demandes et nous guide comme l'étoile radieuse du matin. Nous te le demandons maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde.
Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Ihr sollt euch selber zu einem Opfer machen, das dir für immer gehört. Wie dat ma Undel kriegen und dinger Ewigkeit, mit allen, die du erwählt hast. Mit der heiligen Jungfrau Maria, der Gottesmam, der trägt drin am Lied. Mit dem heiligen Josef, ihrem Mann. Mit den Aposteln am Märtyrer. Mit dem heiligen Willibrucht und mit allen Heiligen, durch denen hier das Gebet mir allzeit auf den Hölle zählen können. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Per ipsum et cum ipso adene ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria,
per omnia saecula saeculorum. Recepte salutaribus munite, et divina institutione formati, audemus dicere. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire.
Let us pray. Grant us, we pray, O Lord our God, that we who are gladdened to participate in the feast of our Redeemer's Nativity may, through an honorable way of life, become worthy of union with him, who lives and reigns forever and ever. Ehemal den Herrgott um sein Segen freuen, dich aber noch von ganzem Herzen ein schönes Christfest wünschen. Joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Natal, Feliz Navidad, Buona Festa di Natale, Christmas um de Togosaimas. Und da freuen wir den Herrgott um sein Segen. Dominus vobiscum. Se nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Mitternachtsmass überdrohen aus der Kathedrale. Ich gehe ins Rendezvous, mit dem Morgen um 10:30 für die Überdrohung von der Hohmass auf Christtag auch hier aus der Kathedrale. Eine Frau helle ich nicht, und damit schalten wir zurück an den Studio. Huh?